tu es toujours là, Seigneur. Aucun de l'épreuve, tu es avec moi, je autant aimer approfondir connaissance dans la Bible, l'église Vision des élus venir avec un programme pour vous qui porte le nom Les Amis de la Bible. Un programme lecture biblique qui a une possibilité pour lire la Bible, aller de Genèse à Apocalypse à distance, quel que soit où vous êtes dans le monde. Si vous aimez participer dans le programme, ça, tapez 952 222 1750 code 305 305 23 10 si aux États-Unis. Si vous êtes dans le pays d'Haïti, Chili, Brésil, Saint-Domingue et Latrier, allez sur WhatsApp sur numéro 561 909 78 31. Nous allons tous sur Facebook, YouTube, taper Radio Vision des élus ou être capable de suivre le programme dans toute intégralité. Nouvelle session à 15 janvier 2024, chaque soir sorti 6h pour arriver 7h30 du lundi au vendredi. Profitez moment ça avec pasteur Mondésir Joseph pour découvrir qui qualité bénédiction qui gagne la Bible. Toi mon frère, as-tu Jésus en ton cœur, dans ta vie? Ça fait déjà longtemps qu'il est venu pour guérir tous les cœurs. Tout est possible à lui, son regard est sur moi, dans le chemin, mon cœur chante son nom béni, n'aie pas peur, je suis là pour écouter tes cris dans la douleur, rien ne peut t'arriver. Seigneur, je suis là pour te protéger.
toi mon frère, ne veux-tu pas l'accepter, l'adorer? Je t'assure que tu seras libéré. Viens te jeter entre ses bras. Eh bien, bonjour, bonsoir, mes bien-aimés. Que bon Dieu bénisse nous toutes. Il est déjà fait 6h05. Donc, nous comptons pour nous la soirée encore pour la dernière séance pour ce maintenant, l'étude biblique Genèse à l'Apocalypse. Donc, nous croyons que tout le monde est en place. Salut tout le monde qui est en ligne. Tout le monde qui est en place. Bon, tabla, ma petite nous que bon Dieu bénisse. Frère Fenel, priez pour nous. Bonjour, pasteur. Je salue tous les amis de la Bible. Notre Seigneur, notre Dieu, notre bon Père Céleste, bon Papa, notre qui nous nous bénissons nos noms, Père Saint, nous exaltons, Dieu Tout-Puissant, immortel, invisible, roi des rois, roi de toute nation. Éclatez gloire dans la vie de chacun de nous-mêmes, Père Saint. Mais nous devons signer Jésus qui nous représente, bon Papa. Au nom de Papa, éternel Dieu Tout-Puissant. Voyez, voir au Seigneur. Permet que ce soit dit, nous sommes capables de prendre à nous voulons attendre, Seigneur Dieu. Tout ça, nous va faire pour gloire. Et non, Seigneur Dieu va éclater, Seigneur Dieu, parmi les autres, Seigneur Dieu, nous disons. Nous devons passer mon désir devant, Seigneur Jésus. Et nous devons m'adonner devant, nous devons pitié, Seigneur Dieu, nous devons ministère devant. Gardez-nous, Seigneur, fait tout ça. Nous-mêmes qui parlons, permettez que nous soyons capables de lire attentivement et que nous capables de comprendre ça, mon Dieu. Pas que vous nous lisez, mais permettez que vous nous lisez et que nous comprenions. Avec nous, gardez-nous, guidez-nous, pas que nous seuls. Nous pas bons, nous pas dignes, mais nous prions dans le nom de Jésus, qu'à vivre, qu'à prier au siècle des siècles. Amen. Merci, bien-aimé, frère Fenel. Alors, je salue tout le monde. Encore une fois, qui branché avec nous. Que bon Dieu bénisse nous.
Alors, mais l'ismon que nous gagnons en soi, nous avons commencé avec chapitre 24, nous avons Job, Sœur Iva, Sœur Suzanne, chapitre 25, Sœur Louis-Augustin, chapitre 26, chapitre 27, c'est ça, non? Sœur Suzette, 28, Sœur La Fortune, 29, Sœur Nicole, 30, chapitre 31, verset 1 à 22, c'est Almir, 23, 40, nous gagnons Sœur Pierre Charles, chapitre 32, 23, 40, Sœur Anissette, chapitre 32, Sœur Pierre Charles, Sœur Léonie, chapitre 33. On commence avec Sœur Iva, pour Dieu bénir, Job, chapitre 24. Sœur Iva, bon Dieu béni. Excusez-moi, pasteur, je ne sais pas si vous appelez. Détendez-vous à citer nous hier. Vous m'attendez à nous. En tout cas, moi, je vais Job chapitre 24. 24. Ok. Je vais venir au passé. Je vais venir au passé. Job chapitre 24. Pourquoi le Tout-Puissant ne met-il pas des temps en réserve? Et pourquoi ceux qui le connaissent ne voient-ils pas ses jours? On déplace les bonnes. On vole des troupeaux et on les fait paraître. On enlève l'âme de l'orphelin. On prend pour bagage le bœuf de la veuve. On repousse du chemin les indigents. On force tous les malheureux du pays à se cacher. Et voici comme les ânes sauvages du désert. Ils sortent le matin pour chercher de la nourriture. Ils n'ont que le désert pour trouver le pain de leurs enfants. Ils couvrent le fourrage qui restait dans les champs. Ils appuient dans la vie de l'impie. Verset 7, Job 24. Ils passent la nuit dans la nudité sans vêtements. Sans couverture contre le froid, ils sont percés par la pluie des montagnes et ils embrassent les rochers comme unique refuge. On arrache l'orphelin à la mamelle. On prend des gages sur le pauvre, ils vont tout nus, sans vêtements. Ils sont affamés et ils portent les gerbes. Dans les angles de l'impie, ils font de l'huile. Ils foulent le trésor et ils ont soif. Dans les villes, ils exhalent les soupirs des morts. L'âme des blessés jette des cris et Dieu ne prend pas garde à ses infamies. Verset 13. D'autres sont ennemis de la lumière, ils ne connaissent pas les voiles. Ils se pratiquent par les sentiers. Verset 14. L'assassin se lève au point du jour. Tue le pauvre et l'indigent. Et il dérobe pendant la nuit l'œil de l'adultère et puis le prépulture. Personne ne me verra-t-il, dit-il, et il me voile sur sa figure. La nuit, il force les maisons. Le jour, il se tient enfermé. Il se connaissant par la lumière. Pour eux, le matin, c'est l'homme de la mort. Il s'en épouvante. Toutes les terreurs. Et quoi, l'impie est étroit,
léger sur la face des eaux. Il n'a sur la terre qu'une part maudite. Il ne prend jamais le chemin des vignes. Verset 19. Comme la sécheresse et la chaleur absorbent les eaux de la neige. Ainsi, le séjour des morts engourdit ceux qui péchent. Quoi, le sein maternel oublie le verre en fond de délice, on ne se souvient plus de lui. Le pied est brisé comme un arbre. Lui qui débrouille la femme stérile et sans enfant, lui qui ne répand aucun bienfait sur la veuve. Verset 22. Mon Dieu, par sa force, prolonge les jours de violence et les voiles debout quand il s'est désespéré de la vie, il leur donne de la sécurité et de la confiance. Il a les regards sur leurs voies, il les regarde sur leurs voies, il se sent élevé et en un instant, il se sent plus. Il tombe, il meurt comme tous les hommes. Ils sont coudés comme la tête des épis. Verset 27 pour finir. S'il n'en est pas ainsi, qui me démentira, qui redira mes paroles à néant? Amen, parole du Seigneur. Merci, pasteur. Merci, merci, sœur Iva. On va continuer avec sœur Suzanne, chapitre 25, Job, chapitre 25. Merci, pasteur. Bon Dieu bénit, pasteur. Bon Dieu bénit tous les amis de la Bible. Nous allons lire ensemble Job, chapitre 25. Bildad de Shuach prit la parole et dit, la puissance et la terreur appartiennent à Dieu. Il fait régner la paix dans ses hautes régions. Ses armées ne sont-elles pas innombrables? Sur qui sa lumière ne s'élève-t-il pas? Comment l'homme serait-elle juste devant Dieu? Comment celui qui est né dans la femme serait-il pur? Voici la lune même n'est pas brillante et les étoiles ne sont pas pures à ses yeux. Comment moi, homme, qui n'est qu'un ver, le fils de l'homme qui n'est qu'un? Merci, pasteur, parole du Seigneur. Amen. Merci, sœur Suzanne. On va continuer avec le chapitre 26. Sœur Augustin, celui, Paco est celui côté lié, non? Est-ce que c'est lui-là? Si celui-là fait étoile 5. Yes, merci, celui. Bon Dieu béni. Chapitre 26. Pasteur, bon Dieu béni avec toute famille, bon Dieu béni tous les amis de la Bible. Et nous allons lire ensemble Job 26 pour la gloire de Dieu. Réponse de Job à Bildad. Job prit la parole et dit, comme tu sais bien venir en aide à la faiblesse, comme tu prêtes un secours aux bras sans force, quel bon conseil tu donnes à celui qui manque d'intelligence. Quelle abondance de sagesse tu fais paraître. À qui s'adressent tes paroles et qui est-ce qui t'inspire? Devant Dieu, les ombres tremblent au-dessus des eaux et de leurs habitants. Devant lui, le séjour des morts est nu. L'abîme n'a point de voile. Verset 7. Il étend le septentrion sur le vide.
et suspendant la terre sur le néant. Verset 8. Il renferme les eaux dans ses nuages, et les nuages n'éclatent pas sous des poids. Il couvre la face de son trône. Il répand sur lui sa nuée. De Job 26, verset 10. Il a tracé un cercle à la surface des eaux, comme limite entre la lumière et les ténèbres. Verset 11. Les colonnes du ciel s'ébranlent et s'étonne à sa menace. Et par sa force, il soulève la mer. Par son intelligence, il en brise l'orgueil. Et c'est 13-14 pour en finir. Son souffle donne au ciel la sérénité. Sa main transperce le serpent fuyade. Ce sont là les bords de ses voies. C'est le bruit léger qui nous en parvient, mais qui entendra le tonnerre de sa puissance. Parole du Seigneur. Merci, pasteur. Merci, pasteur. Bon Dieu béni, on salue. Bon Dieu béni. On continue. Amen. Bon Dieu béni. On continue avec Banou et ses Suzette. Même Baro et c'est Suzette, non? Baro et c'est Suzette. On demande à l'autre monde lit pour c'est Suzette. Sœur Maniga au Calice pour c'est Suzette, chapitre 27. Job prit de nouveau la parole sous forme sentencieuse et dit, Dieu qui me refuse justice est vivant. Le Tout-Puissant qui remplit mon âme d'amertume est vivant. Aussi longtemps que j'aurai ma respiration et que le souffle de Dieu sera dans mes narines, mes lèvres ne prononceront rien d'injuste. Oh non, 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 non. Alors, on met aller, sur ton chapitre, c'est ça, non? Chapitre 27, là, c'est ça, non? C'est ça, non? Excusez-moi. On a chapitre 28, là, pour nous, ce Maniga, et puis c'est ça, non? On a appelé chapitre 27, là. Lis 28 pour nous. Après, ça, on a tourné dans 27. Monsieur Maniga, vous mettez le chapitre 28 là pour nous. C'est parce que ceci n'est pas là. Mais chapitre 27 là. Et pour ce sujet, et pour ce ça non. Oui, oui. C'est ça non. Le chapitre 27 là non. Et puis après, ce Maniga va lire pour nous. Chapitre 28 là, c'est ça? Bien parlé? Oui. Oui, mais yeah. Allez, non, allez, et moi qui fais, ouais, vous mettez, allez. Chapitre 27. Oh. Oui, merci. Job 27. Oui. Dernière réponse de Job à ses trois amis. Job prit de nouveau la parole sous forme sentencieuse et dit, Dieu qui me réfugie justice est vivant. Le Tout-Puissant qui remplit mon âme d'amertume est vivant. Aussi longtemps que j'aurai ma respiration et que le souffle de Dieu sera dans mes narines, mes lèvres ne prononceront rien d'injuste. Ma langue ne dira rien de faux. Loin de moi la pensée de vous. Donnez raison. Jusqu'à mon dernier soupir, je défendrai mon innocence. Je tiens à me justifier et je ne faiblirai pas. Mon cœur ne me fait de reproches
sur aucun de mes jours. Verset 5. Que mon ennemi soit comme le méchant, et mon adversaire comme l'impie. Quelle espérance reste-t-il à l'impie quand Dieu coupe le souffle de sa vie, quand il lui tire son âme? Est-ce que Dieu écoute ses cris? Quand l'angoisse vient l'assaillir, fait-il du Tout-Puissant ses délices? Adresse-t-il en tout temps ses prières à Dieu? Je vous enseignerai les voies de Dieu. Je ne vous cacherai pas les desseins du Tout-Puissant. Verset 12. Mais vous les connaissez et vous êtes d'accord. Pourquoi donc vous laissez aller à des vaines pensées? Voici la part que Dieu réserve aux méchants. L'héritage que le Tout-Puissant destine à l'impie. S'il a des filles, s'il a des fils, pardon, s'il a des fils en grand nombre, c'est pour les grèves. Et ses rejetons manquent de vin. Ceux qui échappent sont enterrés par la peste. Et leurs veuves ne les pleurent pas. S'ils amassent l'argent comme la poussière, s'ils entassent les vêtements comme la boue, c'est lui qui entasse, mais c'est le juste qui se révèle. C'est l'homme intègre qui a l'argent en partage. Verset 18. Sa maison est comme celle de bâti la teigne, comme la cabane que fait un gardien. Il se couche riche et il meurt dépouillé. Il ouvre les yeux et tout a disparu. Les terreurs les suprêmes, comme des eaux. Un tourbillon l'enlève au milieu de la nuit. Le vent d'Orient l'emporte et il s'en va. Il l'arrache violemment de sa demeure. Dieu lance sans pitié des traits contre lui. Et le méchant voudrait fuir pour les éviter. On bat des mains à sa chute. Dernier verset, 23. On bat des mains à sa chute et on les souffle à son départ. Amen. Merci, Sœur Sano. N'a continué avec Sœur Maniga Kapli pour Sœur Suzette. Job, chapitre 28. Amen. Job 28 à la gloire de Dieu. Il y a pour l'argent une mine d'où on le fait sortir. Et pour l'or, un lieu d'où on l'extrait pour la filer. Le fer se tire de la poussière et la pierre se fond pour produire les rangs. L'homme fait cesser les ténèbres, l'explore jusque dans les endroits les plus profonds, les pierres cachées dans l'obscurité et dans l'ombre de la mort. Il creuse un puits loin des lieux habités. Ses pieds ne lui sont plus en aide. Et il est suspendu, balancé loin des humains. La terre d'où sort le pain est bouleversée dans ses entrailles comme par le feu. Ses pierres contiennent du saphir et l'on y trouve de la poudre d'or. L'oiseau de proie n'en connaît pas le sentier. L'œil du vautour ne l'a point aperçu. Les plus fiers animaux ne l'ont point foulé. Le lion n'y a jamais passé. L'homme sort sa main sur le roc, il renverse les montagnes depuis la racine. Il ouvre des tranchées dans les rochers et son œil contemple en tout ce qu'il y a de précieux. Job 28, verset 11.
Il arrête l'écoulement des eaux et il produit à la lumière ce qui est caché. Mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Où est la demeure de l'intelligence? L'homme n'en connaît point le prix. Elle ne se trouve pas dans la terre des vivants. La vigne dit, elle n'est point en moi. Et la mère dit, elle n'est point avec moi. Elle ne se donne pas contre de l'or pur. Elle ne s'achète pas au poids de l'argent. Elle ne se pèse pas contre l'or d'Ophir, ni contre le précieux onyx, ni contre le saphir. Elle ne peut se comparer à l'or ni au verre. Elle ne peut se changer pour un vase d'or fin. Le corail et le cristal ne sont rien auprès d'elle. La sagesse vaut plus que les perles. La topaze d'Éthiopie n'est point son égale. Et l'or pur n'entre pas en balance avec elle. D'où vient donc la sagesse? Où est la demeure de l'intelligence? Elle est cachée aux yeux de tout vivant. Elle est cachée aux oiseaux du ciel. Le gouffre et la mort disent, nous en avons entendu parler. C'est Dieu qui en sait le chemin. C'est lui qui en connaît la demeure. Car il voit jusqu'aux extrémités de la terre. Il aperçoit tout sous les cieux. Quand il régla le poids du vent et qu'il fixa la mesure des eaux, quand il donna des lois à la pluie et qu'il traça la route de l'éclair et du tonnerre, alors il vit la sagesse et la manifesta. Il imposa les fondements et la mit à l'épreuve. Puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur et la sagesse. Merci, sœur Maniga. On va continuer avec sœur La Fortune, chapitre 29. Bon Dieu béni, ou pasteur mon désir. Bon Dieu béni, tous amis qui est avec nous soudain. Nous allons lire ensemble Job, chapitre 29. Monologue de Job, son ancienne postérité, ses souffrances actuelles, son innocence. Job prit de nouveau la parole sous forme sentencieuse et dit, « Oh, peut-être ne puis-je comme au mois du passé, comme au jour où Dieu me gardait, dans sa lampe brillait sur ma tête et que sa lumière me guidait dans les ténèbres. Que ne suis-je comme au jour de ma vigueur, où Dieu veillait en ami sur ma tête, quand le Tout-Puissant était encore avec moi et que mes enfants m'entouraient. Quand mes pieds se baignaient dans la crème et que le rocher retendait près de moi des ruisseaux d'huile. Si je sortais pour aller à la porte de la ville et si je me faisais préparer un siège dans la place, les jeunes gens se retiraient à mon approche, les vieillards se levaient et se tenaient debout. Les princes arrêtaient leur discours et mettaient la main sur leur bouche. La voix des chefs se taisait. Et leur langue s'attachait à leur palais. L'oreille qui m'entendait me disait heureux. L'œil qui me voyait me tendait témoignage. Car je sauvais le pauvre qui implorait du secours et l'orphelin qui manquait d'appui. La bénédiction du malheureux venait sur moi. Je remplissais de joie le cœur de la veuve. Je me revêtais de la justice et je lui servais de vêtements. J'avais ma doiture pour manteau et pour turban. J'étais l'œil de l'aveugle et le pied du boiteux. J'étais le père des misérables. J'examinais la cause de l'inconnu. Je brisais la mâchoire de l'injuste et j'arrachais de ses dents la proie. Alors je disais, je mourrai dans mon lit, mes jours seront abondants comme le sable. L'eau pénétra dans mes racines, la rosée passera la nuit sur mes branches. Ma gloire reverdira sans cesse et mon arc rajeunira dans ma main. On m'écoutait et l'on restait dans l'attente. On gardait le silence devant mes conseils. Après mes discours, nul ne répliquait et ma parole était pour toute une bienfaisante rosée. Il comptait sur moi comme sur la pluie. Il ouvrait la bouche comme pour une pluie du printemps.
Je leur souriais quand ils perdaient courage et l'on ne pouvait chasser la sérénité de mon front. Verset 25, le dernier verset, jamais à aller vers eux. Et je m'asseyais à leur tête. J'étais comme un roi au milieu d'un trou, comme un consolateur auprès des affligés. Parole du Seigneur, bon Dieu béni, ou pasteur Mandifier. Merci. Bon Dieu béni, ou sœur à la fortune. Nous gagnons Sœur Nicole qui prend lire pour nous le chapitre 30. Sœur Nicole. Bon Dieu béni, on passe mon désir et bon Dieu béni les amis de la Bible. Nous allons lire ensemble Job chapitre 30. Et maintenant, je suis la risée de plus jeune que moi. De ces dont je dédaignais de mettre en les terres parmi les chiens de mon troupeau. Mais à quoi me servait-il? C'est vrai, la force de leurs mains, ils sont incapables d'atteindre la vieillesse. Desséchés par la misère et la faim, ils fuient dans les lieux salides, depuis longtemps abandonnés et déserts. Ils arrachent près des arbrisseaux les herbes sauvages et ils n'ont pour pain que la racine des genêts. On les chasse du milieu. Des hommes ont crié après eux comme après des voleurs. Ils habitent dans d'affreuses vallées, dans les cavernes de la terre et dans les rochers. Ils virent parmi les buissons, ils se rassemblent sur les ronces. Être vil et méprisé, on les repousse du pays. Et maintenant, je suis l'objet de leurs chansons. Je suis en but à leurs propos. Ils ont horreur de moi. Ils se détournent. Ils me crachent au visage. Ils n'ont plus de retenue et ils m'humilient. Ils rejettent tout frein devant moi. Ces misérables s'élèvent à ma droite et me poussent les pieds. Ils s'effraient contre moi. Des sentiers pour ma ruine, il en détruisant mon propre soutien et travaille à ma perte. Et à qui personne ne viendrait en aide, ils arrivent comme par une large brèche. Ils se précipitent sous la craquement. Les terreurs m'assiègent. Ma gloire est emportée comme par le vent. Mon bonheur a passé comme un nuage. Et maintenant, mon âme se penche en mon sein, les jours de la souffrance en mon saisie. La nuit me perce et m'arrache les os. La douleur qui me ronge ne se donne aucun repos. Quand la violence du mal à mon vêtement perd sa forme, il se colle à mon corps comme ma tunique. Dieu m'a jeté dans la boue et je ressemble à la poussière et à la cendre. J'écrivais toi et tu ne me réponds pas. Je me tiens debout et tu me lances ton regard. Tu deviens cruel contre moi. Tu me combats contre la force de ta main. Tu me soulèves, tu me fais voler au-dessus du vent. Et tu m'anéantis au bruit de la tempête. Or, je le sais, tu me mènes à la mort, au rendez-vous de tous les vivants. Mais c'est lui qui va périr. N'étant dit par les mains, celui qui est dans le malheur n'implore-t-il pas du secours? N'avais-je pas des larmes pour l'infortuné? Mon cœur n'avait-il pas pitié de l'indigent? J'attendais le bonheur et le malheur est arrivé. J'espérais la lumière et les ténèbres sont venues. Mes entrailles bouillonnent sans relâche. Les jours de la calamité m'ont surpris. Je marche en noisie, mais non par le soleil. Je me lève en pleine assemblée et je crie. Je suis devenu le frère des chacals, le compagnon des autruches. Et verset 30 et 31 pour en finir. Ma peau noircit et tombe. Mes os brûlent et se dessèchent. Ma harpe n'est plus qu'un instrument de deuil.
et mon chalumeau ne peut rendre que des sons plaintifs. Parole du Seigneur. Merci, pasteur, mon désir. Merci, sœur Nicole. N'a continué avec notre bien-aimée sœur Almir dans le chapitre suivant. Sœur Almir, bon Dieu béni. Le chapitre bon Dieu béni, pasteur. Bon Dieu béni. Mon cas, le chapitre, c'est les mots. N'a appelé le chapitre 31, Job 31, verset 1 à chapitre. Yes, yes. Bon gade encore. Yes. Oui. Sœur Almi 1 à 22. Et puis, nous sommes à 17, 23. Ok. Verset 31. J'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Quelle part Dieu m'a-t-il réservé d'en haut? Quel héritage de tout-puissant m'a-t-il envoyé les cieux? La ruine n'est-elle pas pour le méchant et le malheureux pour ceux qui commettent l'iniquité? Dieu n'a-t-il pas connu mes voies? N'a-t-il pas compté tous mes pas? Si j'ai marché dans le mensonge, si mon pied a couru vers la fraude, que Dieu me pèse dans des balances justes et il reconnaîtra mon intégrité. Si mon pas s'est détourné du droit chemin, si mon cœur a suivi mes yeux, si quelque souillure s'est attachée à mes nez, que je sème et qu'un autre moi sème et que mes rejetons soient déracinés. Si mon cœur a été séduit par une femme, si j'ai fait le guet à la porte de mon prochain, que ma femme tourne la meule pour un autre et que d'autres la déshonorent, car c'est un crime, un forfait que punissent les juges. C'est un feu qui dévore jusqu'à la ruine et qui aurait détruit toute ta richesse. Si j'ai méprisé le droit de mon serviteur ou de ma servante, lorsqu'ils étaient en contestation avec moi, qu'ai-je à faire quand Dieu se lève? Qu'ai-je à répondre quand il châtie? Celui qui m'a créé dans le ventre de ma mère ne m'a-t-il pas créé? Le même Dieu ne nous a-t-il pas formé dans le sein maternel? Et si j'ai refusé aux pauvres ce qu'ils demandaient, si j'ai fait languir les yeux de la veuve, si j'ai mangé seul mon pain sans que l'orphelin en ait eu sa part, moi qui l'ai de ma jeunesse élevé comme un père, moi qui de ma naissance ai soutenu la veuve, si j'ai vu le malheureux manquer de vêtements, ne dis-je n'avoir point de couverture sans que ses reins m'aient béni, sans qu'il ait été réchauffé par la croissance de mes agneaux, si j'ai levé la main contre l'orphelin, parce que je me sentais un appui dans les juges, que mon épaule se détache de sa jointure, que mon bras tombe et qu'il se brise. Amen, bon Dieu béni. Merci, sœur Almir. N'a continué avec sœur Anicette. N'a terminé pour nous. Bonsoir, pasteur. Nous saluons tout le monde qui est souligné. Nous valons Job 31, verset 23 à la fin. Ah, les châtiments de Dieu m'épouvantent et je ne puis rien devant sa majesté. Si j'ai mis dans l'or ma confiance et si j'ai dit à l'or, tu es mon espoir, je me suis réjoui de la grandeur de mes biens, de la quantité des richesses que j'avais acquises. Si j'ai regardé le soleil qui brille, la lune quand elle s'avançait majestueuse, et si mon cœur s'est laissé détruire en secret, si ma main s'est portée sur ma bouche, verset 28, quand encore un crime
que dois-je punir le juge? Et je le remis le Dieu très haut. Si j'ai été joyeux du milieu de mon ennemi, si j'ai sauté d'allégresse en dans les revers en l'atteinte, verset 30. Moi, qui n'ai pas permis à ma langue de pécher, de demander sa mort avec imprécation, si les gens de ma tente ne disaient pas, où est celui qui n'a pas été rassasié de sa viande? Si l'étranger passait la nuit dehors, si je n'ouvrais pas ma porte aux voyageurs, si comme les hommes, j'ai caché mes transgressions et renfermé mes iniquités dans mon sein. Verset 34. Parce que j'avais peur de la multitude, parce que je craignais le mépris des familles, mais en maintenant à l'écart, il n'ose franchir ma porte. Oh, qui me fera trouver quelqu'un qui m'écoute? Voilà ma défense en toute signée. Que le Tout-Puissant me réponde, qui me donnera la plainte écrite par mon adversaire? Verset 36. Je partagerai ton écrit sur mon épaule, je t'attacherai sur mon front comme une couronne. Je lui rendrai compte de tous mes pas. Je m'approcherai de lui comme un prince. Verset 38. Si ma terre crie contre toi, contre moi, et que mes silos versent des larmes, j'en ai mangé et produit ses heures sans avoir payé, et que j'ai attristé l'âme de ses anciens maîtres. Mais c'est à moi pour finir qu'il y croisse des épines au milieu du froment et de l'ivraie pour le dodge. Les paroles de Job, paroles du Seigneur. Merci, merci, sœur Anicette. On a continué avec ce Pierre dans chapitre 32. Bonjour, bénis, pasteur. Moi, saluez-vous. Moi, saluez tous les amis de la vie. On a pris Job, chapitre 32, discours d'Eliu. Ces trois hommes se servent de répondre à Job parce qu'il fait se regardait comme juste. Alors s'enflamma de colère Eliu, fils de Barakéel de Bur, de la famille de Ram. Sa colère s'enflamma contre Job parce qu'il se disait juste devant Dieu. Et sa colère s'enflamma contre ses trois amis parce qu'il se trouvait rien à répondre et que néanmoins il condamnait Job. Comme il était plus âgé que lui, Eliu avait attendu jusqu'à ce moment pour parler à Job. Mais voyant qu'il n'y avait plus de réponse dans la bouche de ces trois hommes, Eliu s'enflamma de colère. Verset 6. Et Eliu, fils de Barakéel de Bur, prit la parole et dit, « Je suis jeune et vous êtes des vieillards. C'est pourquoi j'ai redouté de vous faire connaître mon sentiment. Je disais en moi-même, les jours parleront. Le grand nombre des années enseignera la sagesse. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Verset 9. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Voilà pourquoi je dis, écoute, moi aussi, j'exposerai ma pensée. J'ai attendu la fin de vos discours. J'ai suivi vos raisonnements, votre examen des paroles de Job. Je vous ai donné toute mon attention et voici, aucun de vous ne l'a convaincu. Aucun n'a réfuté ces paroles. Ne dites pas cependant, en lui nous avons trouvé la sagesse. C'est Dieu qui peut le confondre, ce n'est pas un homme. Il ne s'est pas adressé directement à moi. Aussi lui répondrai-je tout autrement que vous.
verset 15. Ils ont peur, ils ne répondent plus. Ils ont la parole coupée. J'ai attendu qu'ils eussent fini leur discours. Ils s'arrêtassent et ne cessent de répliquer. Verset 17. À mon tour, je veux répondre aussi. Je veux dire aussi ce que je pense. Car je suis plein de paroles. L'esprit me presse au-dedans de moi. Mon intérieur est comme un vin qui n'a pas d'issue, comme des autres neufs qui vont éclater. Je parlerai pour respirer à l'aise. J'ouvrirai mes lèvres et je répondrai. Verset 22 pour finir. Je n'aurai point égard à la parole et je ne flatterai personne, car je ne fais pas flatter. Mon Créateur m'enlèverait bien vite. Amen. Merci, Pasteur. Bon, je vais nous. Merci, Sœur Pierre-Charles. Continue avec Sœur Léonie dans le chapitre 33. Merci, Pasteur Mon Désir. La paix de Jésus avec vous et nous tous qui sommes là. Bon Dieu béni. Job, chapitre 33. Maintenant donc, Job, écoute mes discours, prête l'oreille à toutes mes paroles. Voici, j'ouvre la bouche, ma langue s'est remise dans mon palais. C'est avec droiture de cœur que je vais parler. C'est la vérité pure qu'exprimeront mes lèvres. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Si tu le peux, réponds-moi. Défends ta cause, tiens-toi prêt. Devant Dieu, je suis ton semblable. J'ai été comme toi formé de la boue. Ainsi, mes terreurs ne te troubleront pas et mon poids ne saurait t'accabler. Mais tu as dit à mes oreilles, j'ai entendu le son de tes paroles. Je suis pur, je suis sans péché, je suis né, il n'y a point en moi d'iniquité. Et Dieu trouve contre moi des motifs de haine. Il me traite comme son ennemi. Il met mes pieds dans les cèpes. Il surveille tous mes mouvements. Je te répondrai quand cela, tu n'as pas raison, car Dieu est plus grand que l'homme. Veux-tu donc disputer avec lui parce qu'il ne rend aucun compte de ses actes? Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Verset 15. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de tourner l'homme du mal et de le préserver de l'oreille, afin de garantir son âme de la force et sa vie des coups du glaive. Par la douleur, aussi l'homme est repris sur sa couche quand une lutte continue vient agiter ses os. Verset 20. Alors, il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les mille qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-les afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revint au jour de sa jeunesse. Il adresse à Dieu sa prière et Dieu lui est propice.
lui laisse voir sa face avec joie et lui rend son innocence. Il saute devant les hommes et dit, j'ai péché, j'ai violé la justice et je n'ai pas été puni comme je le méritais. Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entre pas dans la fosse et ma vie s'épanouit à la lumière. Voilà tout ce que Dieu fait deux fois, trois fois avec l'homme pour ramener son âme à la fosse, pour l'éclairer de la lumière des vivants. Sois attentif, Job, écoute-moi, tais-toi et je parlerai. Si tu as quelque chose à dire, réponds-moi, parle, car je voudrais te donner raison. Verset 3, vous en finissez. Verset 33, alors, sorry. Si tu n'as rien à dire, écoute-moi, tais-toi, et je t'enseignerai la sagesse. Parole du Seigneur, bon Dieu béni. Amen. Merci, bien-aimé. C'est Lisla. Je vais terminer avec Lisla. Donc, nous gagnons pour nous continuer lundi, si Dieu veut. Donc, je remercie tout le monde. Good job, tout le monde qui t'a appelé avec nous. Alors, c'est chapitre ça, c'est déjà court, mais nous avons lu plusieurs chapitres. Avec dit à soi, là, si nous avons regardé, nous avons lu au moins. Combien? Nous avons un bon valet. Nous avons un bon valet. Mais nous avons un bon valet. Nous commençons depuis 24. Nous finissons dans le chapitre 33. Et. Alors nous avons passé ce jour. N'est pas oublié. À soir, nous avons rendez-vous avec moi, bien aimé. Nous avons rendez-vous côté nous pour parler de l'événement qui est passé le 8 avril. Là, dans le cri de minuit, nous avons commencé à. Le cri de minuit a commencé à 9h. Mais nous avons commencé à parler. Nous avons 9h30, 10h moins. C'est une façon pour nous instruire nous sur ce qui est passé. Pour nous, en tant que chrétiens, pour nous comprendre ce qui est passé. Parce que nous, en fin dernier temps, tout ce qui est passé doit être intéressé. Donc, vous êtes capable de toujours monter sur les téléphones, vous avez Facebook, vous avez YouTube, Zoom a fonctionné. Donc, quel que soit le moyen, vous pouvez utiliser. Et si vous avez des questions, vous pouvez faire étoile 5 sur les téléphones, pour ou bien même sur YouTube, vous pouvez avoir des questions, ou écrire des questions. Et puis, je suis capable d'essayer. Et nous essayons de répondre. Mais ce qui est important, nous t'aimons que vous compreniez ce qui est passé pour ne pas interpréter le même genre, tout l'autre monde interprété. Ce jour, nous avons fait une admission pour nous. Bon Dieu bénisse nous tous. Amen. Bon Dieu bénisse nous, pasteur. Bon Dieu bénisse nous, pasteur. Oui, nous là, oui. Bon Dieu bénisse. Oui, bon salut tout le monde. Nous avons 11 monde qui te lit, mais c'est 10 chapitres. Parce que nous avons un chapitre 31 que nous avons divisé en deux pour une raison pour une. Donc, nous avons 11 monde qui lit, c'est facile cette temps-ci. Nous disons bon Dieu merci. C'est un petit mot. Ok, nous avons un monde qui va lire demain si Dieu veut. Ah, mais pas demain, lundi le 15 avril. Nous avons moi, j'ai la pour une raison. 15 avril. Mais béni, bon Dieu pour nous. Merci pour le travail que vous avez fait me faire. Bon Dieu, béni. Vous connaissez la commencer. Chapitre 34, c'est Vania. S'il parle, on va me dire qu'il a pris. Attendez, s'il vous plaît. C'est Vania, chapitre 34. Chapitre 35, c'est Anita. Chapitre 36, c'est Pierre Charles. 37, c'est Galion. 38, c'est Florence. 39 sur Pascal, 40 sur Souffrant, 41 sur Louis, 42 sur Sijouanis, et puis nous finissons là pour Job. Donc, si nous avons fini trois bonnets, nous avons commencé sommant, mais nous avons été là. Oui, pour Somme, nous connaissons comment nous lisons, nous avons lu deux sommes, trois sommes, seulement. L'offre finit, ou bien l'autre,
et puis après ça on remonte encore. Moi m'après on a l'ordre, on fait étoile 5 et puis nous lire. C'est pas somme une habitude avec, c'est pas nous prendre lire rapide, très très rapide. On monde capable lire 2 3 dans seule soirée. On fait une lire pour descend au yo prend l'autre et puis après ça on retourne pays étoile 5 encore et puis n'a pas ça. C'est Guy prier pour nous. Ça veut dire pas que nous pas besoin schedule somme pas vrai? Non, non, somme nous pas besoin schedule yo. C'est monde qui sont là en fait étoile 5 et puis nous a passé mon là pour lui. D'accord. Segui, priez pour nous. La prière. Prions Dieu. Adorable Père Céleste, Papa nous qui dans ciel là, nous bénissons, nous nous remercions. Chaque fois nous avons le privilège, nous avons l'opportunité ça pour nous réunir bon table là, pour nous apprendre parole, souple papa, pour nous mettre en pratique. Et spécialement parole ça, la puissance maintenant là, parole de Job. Pour l'entraînement, pour l'entraînement là, pour nous encourager, pour nous dire l'éternel a donné, l'éternel a ôté, que le nom de l'éternel soit béni. Seigneur, fais-nous mettre les paroles en pratique. Parfois, les tribulations sont venues nous conduire mots, mais souple papa, Job sur exemple qui ne peut pas dire rien, qui mal comprend Dieu là. Aidez-nous, souple papa, laisse-nous les paroles pour nous comprendre, pour nous mettre en pratique. Nous bénissons, nous exaltons vos paroles. Nous bénissons tout pour passer nos 3 fois 5 qui est toujours là avec nous, qui a nous tout bon enseignement. Ça. T'as pris papa, gardez-le pour nous faire grâce, pour nous avec toute famille. Et chaque monde qui te souligne, le Seigneur nous connaît, les sous-côtés, va se souffler pour nous parce que c'est un bon nous la guerre. Et nous connaissons plus tard encore, nous allons retourner côté, nous allons tendre l'autre version, Seigneur. Oui, parole ça, bon papa, nous méritons à l'écouter. Parce que nous, les hommes, les autant de bagailles, nous ne comprenons pas, nous faisons plus de bagailles qui ne sont pas bon. Mais nous-mêmes, c'est fait nous grâce pour nous comprendre, ça passe, nous prenons du noir sur pour nous mettre en pratique. Nous prions comme ça, ce n'est pas parce que nous connaissons nous bon, nous dit, mais nous prions dans le nom de Jésus, puis dit-toi, lui-même, qu'à vivre et qu'à prier au siècle des siècles. Amen. Bon Dieu, bénis nous tous, saluez une lot et puis nous allons rencontrer plus tard à 9h. Que bon Dieu bénisse. All participants are now.